Je vais essayer de le taser surtout. S'il arrive à me mettre dans une bonne situation, je vais pouvoir le taser. Vous voyez? Vous l'avez vu? Non. Oh là, what the fuck? Ah, oui. Donc c'est ça, j'étais RP. En quelque sorte. Bordel. Pour la prochaine course poursuite, monsieur Mathieu, c'est moi qui prendrai le volant. Je vois pas du tout pourquoi vous dites ça. Oh, moi je vois bien, moi. Moi je le vois, moi. Bonjour, messieurs. Bonjour. Faites attention, hein, parce que je pourrais taper avec la tête. Hein. Alors, puis-je savoir ce qui se passe, mon commissaire? La cellule du milieu. Il y a une troupe de police qui nous informait que ces véhicules étaient déclarés... Enfin, pas volés, mais comment on appelle ça? Voilà. Ces véhicules étaient recherchés. Mm-hmm. Et on a arrêté les véhicules, on les a fait se garer. C'était mauvais, sur ma poche arrière. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de personnes pour les interroger. Après, je sais pas pourquoi ils étaient en fuite, on n'a pas retrouvé la patrouille qui les a... José Beauvais. Mais en tant que fugitif. D'accord, très bien. Moi je fais ça. Alors, attendez, je vais regarder les dossiers pour voir les noms de ces personnes-là. Oh. Et c'est vous qui m'appelez comme ça, c'est vous qui dites que c'est un nom de merde. Monsieur Blade. Abou. Monsieur Abou, avancez d'un pas, s'il vous plaît. Oui. En tout cas, vous n'avez pas la carrière de Batman. Hein. Pourquoi vous êtes là, monsieur? Bah justement, je me le demande même moi. Je voulais... On m'a arrêté. Et... Pour quel motif? Alors, j'ai des armes, mais ça pour c'est... Pour soi-disant, voiture recherchée. Quelle est votre voiture, monsieur? Que j'ai plus compris. C'est une Nissan. J'y pense très fort. Alors, c'est slash drop, c'est ça? D'accord, ok. Donc vous me dites que c'est une erreur que vous êtes fait arrêter, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parce que je n'ai que juste que, bah, pour revenir de la comme vous pouvez voir dans ma poche bien remplie derrière, bah, j'ai quelques c'est liasses pour ça que je me demande. Pouvez-vous me montrer ce que vous avez sur vous, s'il vous plaît? Oui. Ah, que dalle, la pète 2250. Voilà. Attendez. Écoutez, je vais vous demander de reculer et je vais voir ça avec mes collègues pour le moins très bien. Je vous ai entendu, veuillez reprendre votre place s'il vous plaît. D'accord. C'est négocié, toi, moi, on se fait un petit clin d'œil. Et tu sais, je... Monsieur Gia, avancez d'une. Avancez d'un pas s'il vous plaît. Non. Bonjour monsieur, pourquoi êtes-vous là? Non. Bonjour. Un peu de silence dans les prisons s'il vous plaît. Non. Monsieur Gia, pourquoi êtes-vous là s'il vous plaît? Je sais pas, apparemment mon véhicule il est recherché. Je sais pas du tout pourquoi. Attends, d'accord. Non, c'est pas ça. Où avez-vous été contrôlé, monsieur? Je voudrais qu'on ait un accord. Au niveau de l'autoroute. Juste, je te montre l'endroit où il y a moyen de trafic. Vous êtes bien arrêté, il n'y a pas eu de souci avec ça ou quoi que ce soit? Pas d'amende, rien. Non. Quel est votre véhicule, monsieur, s'il vous plaît? C'est une petite Opel rouge. Non, un amende, mais pas le casier. Ça porte. D'accord, très bien. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis à la recherche de travail au Pôle emploi. Je vois. D'accord, et comment payez-vous votre voiture, monsieur, sans emploi? Avec le chômage. Et puis là, ça paye plus que ce que moi je touche. Non, c'est bon, très bien. Vous me dites, si vous êtes ici, c'est une erreur, c'est bien ça? Oui. Très bien, reculez, remettez-vous sur le canapé, contre le canapé, s'il vous plaît. Monsieur Andri? Tariq Andri, avancez d'un pas. Bonjour monsieur, pourquoi êtes-vous ici? Je sais pas du tout, comme mes collègues, je me suis arrêté sur l'autoroute. D'accord, très bien. Quel est votre véhicule, monsieur? Une Sultane RS. D'accord, très bien. Une Sultane RS, vous me dites de quelle couleur? Blanche. Blanche ou noire? Blanche, je vais faire attendre. Parce que j'ai eu pas mal de messages radio parlant d'une Sultan RS à forte vitesse sur l'autoroute en direction du nord. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez ici. Ouais, c'est ça. Avez-vous une contre-expertise comme quoi pour prouver que ce n'est pas vous? Que faisiez-vous cet après-midi? Bah rien, j'étais en ville. Qu'est-ce que quel est... amis, on buvait un coup. Justement, est-ce que ses amis peuvent venir pour témoigner de vos dires? Bah il y a juste un ami là derrière. J'étais avec lui, on est... en terrasse. Qui ça, juste derrière? Il me faudrait un prénom, s'il vous plaît. Lui, Eugène.
Vous avez un ticket de carte bancaire, un ticket, quelque chose, ou quelque chose qui peut prouver que vos dires? Non, du tout, même pas. J'ai gardé mes tickets. D'accord, donc c'est votre bonne foi contre la mienne, c'est bien ça. Ouais. Et vous faites quoi dans la vie, vous, monsieur, à part boire des verres et supporter votre collègue au chômage? Ouais, bah voilà, je suis au chômage aussi. Eh ben, bravo, bravo. Donc vous allez me dire que je me lève le matin pour interroger des personnes comme vous, pour vous payer en plus. Ah là là. Non, on n'a rien fait, monsieur. Ah, ça c'est vous qui le dites. Ça c'est pas les dossiers qui le disent. Vous êtes là, si vous avez quand même fait quelque chose. Après, soit vous avez été arrêté à votre insu, pardon. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a bien une raison. Il y a eu un signalement ou il y a eu quelque chose. Donc écoutez, Ouais, ce que bah je vous je... propose, je vais vous laisser reculer, je vais voir ça avec mon commissaire, et on va voir quoi faire ou quand comment. Par contre, je vais juste vous demander, s'il vous plaît, chacun les papiers de chaque véhicule que vous avez, s'il vous plaît, qu'on aille faire la vérification. Mon Les commissaire? miens. Pouvez-vous sortir... Merci. Pouvez-vous me sortir les papiers de vos véhicules, s'il vous plaît? La carte grise et permis de Si. conduire et carte Merci. d'identité. Et le vôtre aussi, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il y a un individu que je viens de croiser devant le commissariat qui dit avoir des informations importantes pour vous. Donc, monsieur le commissaire, je vais vérifier dans la base de données les papiers que j'ai réceptionnés. Je passe sur la radio interne pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Je fais les vérifications d'usage et je passe sur la radio interne. Ok. Alors, monsieur Faudrait que vous Andri. dire de venir à l'accueil. Monsieur Andri, monsieur Dia. Faute de preuves et faute de description concrète de vous ou de vos véhicules, je suis obligé de vous laisser partir, messieurs. Rien ne peut être retenu contre vous. Passez une bonne journée. Monsieur Ezaïa vous D'accord. raccompagne à la sortie. C'est bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Par contre, Monsieur, vous, vous monsieur, appelez aussi si vous pouvez juste rappelez-moi la couleur de vérifier. votre véhicule, s'il vous plaît. Attendez deux Elle secondes. était bleue, mais et je n'ai pas conduit, à mis à part quand Ceci je me suis fait registre, s'il vous plaît. contrôler pour aller au marché pour ramener Bon, j'ai pas une très belle quelques écriture, mais bon. fraises. Donc du coup, c'est une voiture Un bleue. peu là. Le problème, j'ai de voir dans Interpol, j'ai deux chefs d'accusation retenant une voiture bleue qui, dans des essais à excès de vitesse, refuse d'obtempérer et délit de fuite. Comment on Au fait? revoir. Comment ça? Ah, monsieur, dans Interpol, j'ai une voiture bleue signalée. Après, je ne peux pas garantir à 100% que c'est vous, mais j'ai une voiture bleue signalée, parce qu'après, c'est Moi une question de temps. j'étais sur le champ de blé toute l'après-midi. J'étais sur le champ de blé toute l'après-midi. Demandez à mon employeur. Parce qu'après, comme je vous dis, Appelez-le. c'est une question de temps avant que c'est soit, comme je vous dis, faut t'avouer, faut t'à moitié pardonner, soit nous allons pouvoir appeler la, bah, tout simplement la scientifique, et si là, par Ouais, contre, on arrive à prouver par si A on se plus B que trompait. c'était vous, c'est là que c'est On peut appeler un problématique. scientifique, on peut même appeler mon employeur qui témoignera. À pas de raison, j'étais sur le champ de blé toute l'après-midi. Vous êtes sûr de vous? J'avance, j'avance, Certain. j'avance. Passez-moi le Oh numéro de là votre là. employeur, s'il vous plaît. Très rapide, j'espère que vous n'êtes pas aussi Je vous pépasse. l'envoie. Je vais vous dire ça tout de suite. Ok, j'arrive tout de suite. Oui, bonjour monsieur, commissariat de Los Santos. Oui, monsieur Gaming à l'appareil. Nous avons un de vos employés dans votre bureau. Pouvez-vous nous certifier qu'il était bien sur son lieu de travail cet après-midi aux alentours de 15 h, s'il vous plaît? Eh bien, on peut dire que votre patron vous a la bonne. Il se porte garant pour vous. Ah bah oui, il n'a pas aucune raison. Donc écoutez, Tout ce que je vous était propose, rien. je vais vous rendre vos papiers. Si je vous recroise, D'accord. par contre, si je re-entends parler de vous et que je vous retrouve ici, que vous n'ayez fait ou pas fait, je ne vous oublierai pas, qu'on soit bien clair. On est d'accord, c'est clair. Très bien, je vous raccompagne à la sortie, suivez-moi. Parce qu'après, le problème, moi, les interroger, je peux essayer de les mariner, de les interroger, etc. Mais le problème, je manque d'informations et je manque de chefs d'accusation et de flagrant délit, tu vois, donc je peux pas prouver que c'est eux. Et si je peux pas prouver que c'est eux, bah, je peux pas leur mettre une amende, en fait. Après, certains s'en battraient les couilles, tu vois, ils sont là, c'est qu'ils ont fait une connerie, leur mettraient l'amende, tu vois, mais c'est pas vraiment RP, tu vois, tu peux pas prouver, bah, tu fais pas. Les mecs, tu les marines un peu, tu vois qu'ils lâchent pas l'affaire, bah, même si tu sais que c'est eux, bah, tu peux pas le prouver. Carte grise, assurance, pièce d'identité. Voilà, tout y est. Très bien, tout en règle, vous pouvez circuler. Allez-y, D'accord, circulez, vous merci. inquiétez pas, Bonne je journée. m'occupe des messieurs là. Et restez pas dans les Messieurs, parages, ça s'il risque de vous chauffer. plaît, j'ai entendu clin de voix, un klaxon de police. Monsieur, garez-vous sur le côté, s'il vous Je plaît. serais prié de le retirer.
Collègue, message radio, berline noire à intercepter, demandez renseignements. Veuillez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Message radio, voiture berline blanche et berline noire. Ensuite, ils ont plus de puissance que nous, mais je sais mieux piloter, c'est pas un problème ça. Descendez de suite ou je fais feu! À la troisième sommation, je tire! Une fois! Descendez, les mains sur la tête, les mains sur la tête! Les mains sur la tête, dépêchez-vous! Bien! À quoi vous jouez, là? C'est quoi cette manière, là? Contre la voiture! On se retourne, contre la voiture! Que je me répète pas deux fois! Un collègue appelé de renfort qu'on vient de l'extérieur, celui-là, on l'avait directement au commissariat. Je veux pas un mot! Je veux pas un mot!